Ouais, ça marche. Pour ceux qui demandent, pour l'appart. Mais brûlant ton truc là, toi t'es chaud toi. Yo les gars, nouvelle vidéo. Et ça fait longtemps que je vous avais pas vu. Ça fait bizarre de refilmer en vrai de vrai. Donc tu leur dis pourquoi t'étais pas là? Fred Chichard. Ouais, putain. Ouais, j'ai été pris pour la prochaine saison, ça va être trop bien. Vous m'avez envoyé une vidéo à foison qui a été fait aux États-Unis où ils surélevaient la board. Je vais refaire pareil, mais comme on est plus américain que les américains, les images parlent mieux que les mots. Premier niveau, le but, c'est de faire pas mal de tricks avec cette taille-là. Deuxième niveau, deux fois plus grand, là ça va être chaud. Et troisième niveau, juste pour la rigolade, et c'est pour ça qu'on a pris un escabeau. Il rentre pas dans le cadre. On va faire un skate surélevé de 1m50, c'est un beau projet. Du coup, on va monter tout ça avec mon pote le bras cassé et après on va aller skater. Si ça vous plaît, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et let's go, c'est parti. C'est toi qui les as coupés les tasseaux? Ouais, pourquoi? C'est pas coupé droit. C'est pas coupé droit, tu dis? J'ai une tête à être bûcheron ou quoi? J'étais dans mon garage avec une scie à bois comme ça, comme un schlagos là. J'ai pris les mauvaises vis, on me dit, à l'oreillette. Oui. Dès que je fais un truc, on me dit que c'est pas bien dans ma vie. Ah bah, à chaque fois. Sur la vidéo, il avait mis un truc de renfort? Non, mais c'est des Américains. On s'en fout du renfort. Ils ont même pas la carte vitale. Ça va le faire, rassure-moi. Mais c'est trop long. T'as coupé quoi comme dimension? Je me dis que même le petit, il va pas être si petit que ça. Donc qu'est-ce que ça va être pour l'énorme en fait? Plus je vois le truc se construire, plus je suis perplexe, Gaël. Y'a que ceux qui font rien qui peuvent pas se tromper, de toute façon. Hop là. Je le sens pas. Impossible. Prends la cam. Ça marche. T'as pas voulu descendre le plank. Mec, la sensation, j'ai l'impression d'être grand. C'est le plus beau jour de ma vie. J'essaie de descendre le plank direct ou pas? Mais c'est facile. C'est chaud. Alors José, tu vas réussir à faire quoi avec cette planche? Quels sont tes objectifs? Rien, mais au moins elle tient par terre comme ça. T'aurais fait une cale de 10 cm déjà, ça aurait été dur. Mais ouais, mais moi je suis tout pour le divertissement. Ça fait trop peur. Je veux voir ça moi. Si je prends de la vitesse, que je prends le plank et que je fais flip en montant le plank. T'essaies de te convaincre d'un truc qui arrivera jamais. C'est possible. Son skate à lui, il était moins haut, je pense. Cette taille-là, c'est un échec. On va faire la grande quand même, hein. On va créer un niveau intermédiaire, un peu en dessous. Toi, t'étais persuadé en arrivant là que t'allais faire flip. Tu veux que je te parle premier degré, là? Je me suis dit, premier niveau, je vais faire 2-7 libres, flip front board. Deuxième niveau, un peu chaud, si je fais flip, c'est bien. Et après, je me suis dit, troisième niveau, pour le délire, hyper haut, on roule, tu vois. J'ai écrit la vidéo, c'était ça dans ma tête. Premier niveau, walou. Du coup, on fait un niveau moins 1. Il y a les filières générales et il y a la secpa. Là, on va en secpa. Je comprends pas. Le concept m'a remis les pieds sur terre. Mais même comme ça, c'est haut en fait. Il y a combien? 10 cm d'écart? Ouais, je pense que c'est 10. Tu me donnes combien? Je monte sur la board, je fais flip direct. Ça dépend, tu me donnes combien toi si tu arrives pas? Je te donne tout mon amour. Peu mouche, tu suces. Let's go! J'ai réussi si facilement! Je sais pas si le tail il a réussi à toucher le sol. Je pense pas. C'est bien, tu vas skater comme. Ah, ça c'est méchant ça. Mais mec! Ça rentre propre en plus! Ça fait des frayeurs quand même, je te jure. C'est fou quand même! C'est un hack de ouf pour faire le Rodney Mullen. Flip, primo, c'est dans le bon sens. Très flip, je retombe dessus. C'est incroyable! Je veux ce combo. C'est fini l'école! T'es encore dessus, t'es encore dessus. Le freestyle, c'est facile, ma gueule. C'est possible des manuals avec ça? Oh, le point d'équilibre, il doit être bizarre. Oh, ça marche. J'étais 6 sur 2 moi.
mal, mec. On va essayer sur la vraie table à wheeling. Nose wheeling, ça doit être dur. Oh. Ouais, le Y. Heureusement que le tail il touche. Dès que t'es en équilibre, tu pars en soleil direct, net. Ça te ramène tout le temps vers l'arrière. Le karma il fait chiche. Oh, j'étais pas prêt. Mais mec. Je suis presque fier de moi. C'est quoi l'étape d'après? Du vrai rail. Ça fait peur parce que les trucs ils sont hauts. Ça veut dire faut popper deux fois plus haut pour faire passer les roues. Pour ceux qui demandent, pour l'appart, cette vidéo là elle sort le 13. Je vais pas parler trop vite parce que le montage est fait, mais il reste encore plein de questions par rapport à la musique et tout. Donc, moins d'un mois. J'ai pas envie de faire de promesses que je pourrais pas tenir. Allez follow sur Insta. Dans tous les cas, je mettrai un petit teaser avec la date, tout. Ce sera là-bas que ça sortira en premier pour toutes les infos. Voilà, on fait comme ça. C'est par là qu'il faut que j'aille. J'ai envie d'essayer grind sur le curb. J'essaie un crook. Je vois le crook nullifie alors. Oh l'horreur. Je fais 2-3 essais de crook. Ouah, c'est haut sa mère. Eh oui, c'est ce que je t'ai dit. Avec la cale en bois, le skate il est calé vraiment comme ça. T'as le pied arrière qui se décale, mon gars. Faut que je vois que ça mord. Mec a gardé le croc calé, c'est impossible. Tu l'as replaqué comme si tu le faisais sur 20 marches. C'est vraiment dur, mais premier degré. Je fais un ou deux essais de croc nollie flip et si vraiment c'est trop chaud, je fais no slide nollie flip. Impossible, mec. First try, je le fais jamais, Strix. Tout est dur. Franchement, c'est hyper dur, mais ça va passer dans side nollie flip. J'ai hâte de remettre cet extrait là. Tu crois que je vais pas le faire? T'as dit first try. Ah, peut-être pas first try par contre. J'ai peut-être menti sur la marchandise. First try, on a dit hein. Ça commence à aller celle d'après. T'as vu, tu te foutais de moi. J'ai fait une tranche et c'est la seule tranche qui est agréable. Comme il y a les petits trucs pour poser ses pieds. C'est hyper dur à tourner comme elle est haute. Va falloir se dépêcher un peu. La roue, elle a touché le bout de bois. Oh, je suis dégoûté. Ça va, non? J'ai pas trop de vitesse, je sais pas pourquoi. Il est compté, là. Il était 8 vis. On passe aux échasses. Vu comment le premier niveau était sketchy, là, il y a 1m50. Je sais pas, ça me fait peur. On va le faire, hein. Déjà, je sais pas comment tu vas monter dessus. J'ai pris un escabeau. Ah, mais j'avoue. La taille de l'escabeau par rapport au bout de bois. Bien évidemment, tout ça est réalisé par des professionnels. La taille du skate par rapport à l'échasse. Bah t'en as une grande, mon copain. Mais laisse tomber. Non mais c'est pas possible. Y'a pas les trucks, ça. Avec un truck, ça fait presque 1m70, je pense. Je suis, ma foi, un peu confus, Gaël. Quand j'ai coupé mes tasseaux de bois dans mon garage, je m'imaginais pas ça. Je pensais que c'était une bonne idée. Faudrait que je pense plus la prochaine fois. Y'a une famille qui arrive au skatepark. Ils vont voir ça, gros. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah oui, t'as raison, visse-le comme ça le truc. Oh, il est à l'envers le truc. J'avoue, j'ai même pas fait gaffe. C'est bien parce que même sur les grands, c'est bien coupé. Hein. Oh, c'est lourd. Oh, mais mec, ça fait. Tu fais combien, rappelle-moi? 1m77. T'es moi, ça twist. C'est pas possible. Non, mais vraiment, arrête. T'as peur premier degré là, pour moi? Oh, bah oui. Attends, je vais essayer de voir comme ça. Mais tu sais que c'est pas possible, arrête. Arrête, arrête. Non. Non, mais même en le tenant, ça tient pas, Joe. C'est brûlant ton truc là. Toi, t'es chaud, toi. On va se contenter de ça, hein. Tu penses? Oui. Bah, y'a juste besoin d'aide, hein. C'est luné, hein. Oh, y a moyen. La rampe, la rampe, la rampe. Ouais. Oh. J'ai lâché vite fait. Eh hey gros, comment je suis gainé là. Je mets tellement de tension dans les jambes, gros. Ou un genou, hein. On va le tenir à deux. Non, je sais pas ce qu'on peut en dire. C'est 100% réussi, mais avec le niveau moins 1. Dès que la board est beaucoup trop haute, c'est impossible à skater. Mais c'était très marrant et les échasses
très dangereux. Ciao.